Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Starship Trooper. On reprend notre mission, il fallait qu'on se débarrasse de la ruche finale. Et au niveau des succès, on doit construire des tourelles à missiles balistiques à distance de frappe de la ruche finale, donc je pense qu'on va se faire plaisir et essayer d'en poser quelques-uns pour allumer ce qui sortira. Il faut aussi qu'on voit si on peut monter un hélicoptère de combat à 12 Pegasus pour buter un cuir à long, mais ça, on verra après. Donc déjà, là, on a du guerrier. Alors, les ruches étaient monstrueuses, donc clairement, si on peut mettre des tourelles, on va pas se gêner. Ici, on a notre petite force de frappe. Toi, t'es niveau 1. Et ici, on en avait un autre niveau 1 qui protégeait un peu. Donc je pense qu'on va se concentrer sur un flanc. On pourrait départager les attaques, mais on sait que ça ne fonctionne pas excellemment bien, on va dire. Du coup, j'ai bien envie d'attaquer par là. C'est un peu plus ouvert. Il y a un seul endroit facile à défendre. Ici, il y a un peu plus d'ouverture. Donc je pense qu'on va... on va se diriger par ici. Lui, on va le laisser là, quoique non, on va l'avancer un petit peu pour voir à quoi ça ressemble. Alors, il peut pas capturer les trucs, bien évidemment, hein, ça serait abusé sinon. Ok, globalement, elle a l'air plutôt... ah, merde, il y a des ennemis. Le problème, c'est qu'on attire les volants, bien sûr, hein, ça serait abusé sinon. Hop là. Ok, on va se préparer du coup ici. Là, j'ai vu qu'il y a du monde. Hein, des techniciens, parfait. Alors toi, démonte du coup. Et vous, vous allez nous rejoindre. On va vouloir construire... alors la ruche est ici. On va donc probablement vouloir construire des tourelles par là, là. Mettre notre Rainmaker ici. Non, ici, ce serait mieux. Je pense qu'on aura un meilleur angle sur tout ce qui viendra par là. Ça, c'est de la cage de provisions. Donc, c'est des troupes en plus, hein, potentiellement. Là, il y a du frelon. Si on met notre Rainmaker là, ouais, il y a moyen qu'il ait la portée. Ok. Alors, on va profiter de eux pour avoir une vision. Ici, très bien. Donc, c'est parti, vous. Go. Go, go. Toi, tu te pointes. Le drone également. Ok, on prend les... c'est un petit peu léger en termes de... de possibilité de tirer. Et on va... là, on le défonce, ça me va très bien. J'aimerais qu'on se déploie un peu plus, si possible. Non, toi tu vas là, toi tu laisses tes copains passer. Là on se déploie, lui il va avancer. Les opérateurs radio on les met là, le pacemaker du coup on va le déployer ici. Et donc, on peut monter là-haut ? On peut pas monter là-haut. On va déployer une tourelle à missiles par là. Toi, on va te poser également. Ta portée de nain, c'est pas encore suffisant, ok. Mais on a éliminé cette ruche là, enfin cette galerie. Magnifique. On va se déployer un peu. Tac. Alors la tourelle là. C'est quoi sa portée? C'est pas assez. Mais elle peut allumer ça par contre, je pense. Excellent. Par contre, du coup, ça compte pas là. Hein. Ouais, on est trop loin malheureusement. Il y a un truc qui nous tire dessus là, ça. Lui, on va le placer par ici.
en soutien, du coup. Il faut qu'on construise une tourelle plus proche. Par ici. Ah oui, il y a une saloperie, hein. Vas-y, allume. Alors là, il va falloir de la force de frappe, là. Du volume de feu. Comme il dit, c'est le volume de feu qui est le plus important face à ces ennemis-là. Pas du coup, on va te démonter. Ici, les techniciens, les techniciens. Une deuxième tourelle. Toi, tu vas te placer à l'angle, juste là. Ici, vous allez me chercher ça. On se déploie. On va avancer l'opérateur radio. Toi, tu vas pouvoir monter ici, de même que vous, tant qu'à faire. Ah putain, là, ça, c'est pas cool, ça. Toi, défonce-nous ça. Allez, on allume, on surcharge, on a lui qui est en place. On est un petit peu serré là. Oh putain, il y a un enfoiré là. Non, c'est là qu'il est géré. Ici, il nous faudrait un peu plus de force de frappe. Attention, ça va sortir là par contre. Est-ce qu'on peut... on a un officier de liaison là qui reste, tiens. Viens par là. On va sortir un autre Pegasus. Pour se débarrasser rapidement des trucs qui sont assez loin. Alors là, du coup, est-ce que ça compte? On a deux des tourelles, parfait. On va en faire une ici. Ah, qui c'est qui nous allume là? Toi là, défonce-la, qu'est-ce que tu fais? Nickel. Il faut qu'on appelle à l'aide des renforts, ici. On va envoyer lui là. Le Pegasus de renfort, il va venir par ici. Parce qu'ici, il nous allume, il faudrait qu'on avance un chouïa de plus pour pouvoir être prêt. Il nous attaque, c'est lui qui nous attaque, putain. Là, malheureusement, ils sortent trop loin. Il faut qu'on avance. Là, il faut allumer. Ok, on a le stun, c'est plutôt cool. Toi, déploie-toi par ici, l'officier de liaison, il va venir là. L'opérateur radio, il va venir ici. Ici, on va pouvoir avancer un peu. Pour se préparer éventuellement à avoiner ça. Est-ce qu'on a une tourelle qui est à portée de ça? Non, trop loin. Trop loin, malheureusement. Ici, ça va sortir. Mais on les défonce. J'aimerais bien que le Pegasus avance un peu, du coup. Voilà, parfait. Ouh la vache, on l'a tellement allumé. Il y a des avions qui passent et qui nous aident, c'est cool. Il est devenu élite, toi t'es devenu élite. Qu'est-ce que t'as? La grenade aveuglante, tout l'appareil de détonation par soudage. Griffer un appareil de réparation au fusil en maintenir près de construire des... Ok, d'accord. Intéressant, mais c'est pas le plus intéressant, je pense. On en a quand même vidé un petit paquet, ça fait plaisir. Ici, dès qu'on l'a vidé, on va chercher la cage de provisions. Ça devrait être relativement jouable. Là, le Pegasus, il faut qu'il fasse le taf, par contre, parce qu'on se fait... on perd de la vie pour rien, là. Il est où l'opérateur radio? Pose-nous un truc là, là, s'il te plaît. Suffit les bêtises. Ça suffit les bêtises. Le Pegasus, on va l'avancer un petit peu pour qu'il soit à portée de ça. Alors ici, du coup, c'est nettoyé. On va aller choper ça. Ici, on va commencer à jouer un peu avec la ruche. Avec nos troupes. Vous déployez-vous par là. Le Pegasus, il avance un peu. Là, on a récupéré de quoi faire venir plus de monde. Qu'est-ce qu'on peut faire venir? Une petite infanterie, ça me va plutôt bien.
Ok, on a un cyclone ici qui est niveau max. On va lui mettre le module de réparation. Et là, il y a un officier de liaison aussi qui est niveau max. Provoque un long bombardement puissant mais imprécis de la zone ciblée. On peut aussi larguer des marines, tiens, rigolo. Ah oui, mais du coup, ça coûte des points, bien sûr. C'est logique. Voilà, les tourelles, on les allume. Alors du coup, il reste encore deux galeries derrière, quand même. Il va falloir qu'on se redéploie ici. Donc là, on va devoir laisser un petit peu de monde. Les tourelles à balistique, là, elles peuvent pas viser ça. Donc attention. Là, on va les envoyer par ici, eux. Cette tourelle-là, je pense qu'on va la détruire. La refaire là, plutôt. Ici, on va progresser. Le Rainmaker, on va le poser par là. Quoique, là, il a une vision de merde. Il faudrait mieux qu'on le pose par ici. Ici, on est un petit peu léger en puissance. Vas-y, déploie-toi, toi. Ah. Ok. Ici, on a la tourelle. Et on n'a plus de quoi en faire d'autre. À la fois allumé. Est-ce qu'on souffre? Ok, repliez-vous, les gars. Vous aussi, allez vous soigner. Où est-ce qu'on se fait attaquer? Ici ça va, toi tu begouilles un peu. Le Pegasus, on va le mettre au centre ici également. L'objectif ça va être de vider la ruche. Hein. Ici du coup ça fait beaucoup trop de troupes bien évidemment. Lui il nous tire dessus, courez. On a perdu une troupe, ça va. Alors lui il est je pense pas idéalement placé là malheureusement. Parce que du coup il a pas de vision là, pas de vision là. Il faudrait qu'il soit un petit peu plus avancé, mais est-ce qu'on peut se permettre d'un peu plus l'avancer? Je pense que oui, parce que du coup, on met cela à portée. Là, on a quoi pour tenir? Juste le drone, c'est un peu short. On va envoyer eux. Voilà, toi, avance un petit chouille. Déploie-toi et on va peut-être même pouvoir allumer ça. Alors là par contre, il faut m'allumer ça. Ah merci. Ah toi t'as gagné un truc, alors du coup tu peux avoir le missile de l'exécution. Mais vas-y balance-le sur ça pour voir. Efficace. Efficace, efficace j'avoue. Oula, par contre, là, on se fait défoncer, là. Repli. Où ça? Ok, ici, c'est bon, on gère. Toi aussi, t'as ton petit missile d'exécution. Le ravageur qui nous charge, là, pas cool. Oh, le Rainmaker qui a pris bien cher, on va aller le réparer. Là, il y en a un autre qui est poupé, là. Faut l'allumer. Parfait. Vous redéployez-vous. Là, on répare. Ok, ici, ça va. Les tourelles, on pourrait presque les avancer un peu. Genre celle-là, là, on l'avance. On va la placer par là, plutôt, dès qu'on aura réparé ça. On peut se mettre à plusieurs pour réparer. On peut se mettre à plusieurs pour réparer. Est-ce qu'on pourrait pas déployer un truc de soin là dans le coin? Ok, là on se fait un petit peu surcharger on dirait. Il y a le nid de frelon là. Ok, bougez-vous vous. Je vous ai demandé de bouger, c'est pas grave. Toi tu peux tirer sur ça. C'est... Ouais, c'est à la portée, c'est bon. Faut qu'on se débarrasse de ce nid de frelon parce qu'il nous balance. Des saloperies sur la tronche, beaucoup trop souvent. Je suis quasiment sûr d'avoir vu un endroit où ça pop là. Voilà.
Il y a celle-là qui nous sort des trucs. On va placer le Pegasus par ici pour qu'il puisse couvrir. Genre typiquement ça. Et celle-là est quasiment vide aussi. Hein. Ça se passe plutôt bien. Ok, là on est rechargé. On va progresser par là. Avec le cyclone également. Toi, t'es capable d'allumer ça. Merci. Il va falloir qu'il charge, bien sûr. Non, ici, il faut qu'on laisse un peu de monde quand même, parce que même avec le Pegasus pour aider... Alors là, techniquement, c'est vide, hein. Hop là, on peut envoyer eux. Et eux. Ça va se re-remplir par là-bas. Eux, ils couvrent cette zone. Les techniciens, on va leur demander une nouvelle tourelle juste ici. Ils sont gérés. Le ravageur, il va essayer de se rapprocher, mais on va le défoncer. Et la dernière ruche est nettoyée. Now, just one last stinking bug hole left to cleanse. Et c'était pas la fin, intéressant. The brain bugs responsible for the blood of thousands of innocents, all my friends, and the decimation of my city. I need to see its face when it dies. You're almost sounding like a real soldier, Sergeant. Elle est un petit peu énervée. Du coup, on a réussi celui-là. On n'a pas vu de cuir à long du tout. Donc, on n'a pas pu faire ça, du coup. Tempi, tempi. The brave men and women of the mobile infantry have restored order on the streets of Mahanagar. Now, one final battle awaits below the city. Cowering in the stench of the sewers and the burning husks of its minions, the brain bug will soon face its final retribution. Ok, on a une Pokéball. Non, c'est pas une Pokéball. Cache-cache, trouver et rassembler toutes les caches de matériel militaire, ok. Tu es un ravageur avec n'importe quel type de gaz toxique. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a du gaz pour quand il charge, là, les gens le... Les Peacekeepers, ils ont un truc pour ça, mais... Je suis pas sûr qu'ils vont tenir très longtemps. But Fed Intel ain't going to be happy if their favorite lab pet arrives to them in pieces. New orders are for capture. After all this, we're letting that damn thing live? Trust me. When it comes to Fed Intel, there's a hell of a lot worse for a bug than death. Ok, on a des unités chimiques. Alors, spécialistes de la guerre chimique, elles sont capables de tirer des bonbonnes chimiques à forte dose. Ces gaz sont mortels pour les formes de vie arachnides. Les effets à court terme sur la biologie humaine semblent minimes. Parfait. Magnifique pénétration d'armure, du coup. Donc, on peut tirer une salve de grenade et après on pourra lâcher une bombose de gaz qui diffusera un gaz mortel. Ces émanations sont fatales pour toutes les formes de vie. Et là... On peut diffuser du pesticide directement sur l'ennemi, très bien. Donc cette unité-là est immunisée contre tous les types de gaz. Les dégâts du gaz ne sont pas modifiés par la valeur d'armure, d'où le perçage d'armure logique. La cadence de tir n'est pas modifiée par les blessures, peut tirer par-dessus les unités et les évasions. Ok, donc des lance-grenades chimiques, excellent. Ça me convient. Pour l'instant, on ne peut faire venir rien d'autre. Donc on a, ça c'est une escouade de police, de l'anti-émeute, des unités chimiques. Très bien. On va progresser avec eux du coup, déjà. Ah bah oui. Ah bah. Non, mais ça va sûrement scare the hell out of our slug friends some more. For now. Ça c'est clair, il veut faire plaisir. Alors du coup là, la ruche, elle a deux trucs. Et elle est à 3, ok.
plus leurs potes quand ils meurent, ça c'est quand même cool. Alors les voitures sont bloqueurs finalement, visiblement. On va déployer nos petits mecs ici. Là, les anti-émeutes, ils font le taf. Il a déjà gagné un niveau. Alors là par contre, faut me buter ça. Merde, ils se sont pris un jeton. Prenez-moi ça du coup. Il y a la ruche là-bas, hein, mais elle peut arriver que de ce côté-là, visiblement. Alors, on a une cache de provisions. Ce qui nous permet de faire venir personne, parce qu'on est à moins 2. Ok, très bien. Merde, en arrière, vous. On va aller les soigner viteuf. Là, c'est vidé. Là, on va aller allumer un peu plus ça. Eux, ils sont bons. Vous, allez vous soigner aussi. Le maraudeur qui peut tirer en même temps, c'est quand même très cool. Alors, on va se mettre par là plutôt pour pouvoir gérer à la fois ce côté-là et l'autre. Surtout qu'eux peuvent tirer par-dessus les hauteurs. On va les mettre au centre. Merde. Ah ! Saloperie. Le gaz est efficace, pas game changer on dirait, mais ça fait le taf. Hein. Dans de la ruche 2, pourquoi? Parce qu'il y a ici encore du monde. Okay. Ils arrivent par derrière là, mais on va pouvoir les gérer sans trop d'inquiétude. Faudrait juste nettoyer ça. Oui, grenadez-les. Là, on est encore à 2 de puissance. Ouais, il faut qu'on s'approche ici pour les... pour pouvoir attirer tout le monde. Vous, vous pouvez y aller. Vous, vous pouvez pas y aller. Ok. Donc, on a les anti-émeutes. On va les rapprocher par là. Pour pouvoir les envoyer dedans avec les squads de police, ça fera un 3 de force. Le maraudeur qui fait le taf, là. Rien n'attire. Il les défonce. Avant les succès, du coup, il fallait qu'on tue un ravageur et les caches de matériel. Okay. Pour l'instant, on en a pas. Ok, c'est parti, vous. Chopez-moi ça. Ici, on est bien. Ici, ça va revenir. Peut-être pendant qu'on nettoie, on va voir. Ils ressortent, c'est bon. Ok, cette première ruche, c'est fait. Alors, les scorpions, c'est lesquels? Ah oui, c'est ceux qui font des rayons de plasma. Le brain bug est sending an attack our way. It aims to slow us down. Then tell the wrinkle sack he's only delaying the inevitable. We're still coming. Je veux bien, mais par où? Par là? C'est par là le chemin? Et par ici? Ah oui, c'est par là. Alors, t'as quoi, toi? Un barrage de mortier, un dargage de charge incendiaire. Alors, oh putain, ici c'est un peu la violence. On va activer les compétences, on va envoyer un petit peu d'armes chimiques. Scorpion là qui est un peu vénère. Ça c'est de la sale bête. Mettez-vous à portée là, faut pouvoir me les nettoyer. Là c'est fait, par contre on a perdu l'unité. Merde, carrément. Zut. Ah oui, puis du coup on passe à zéro quoi, mais pas ce qu'il faut. Keep this zone locked down instead. Bravo and Charlie teams are held up in their sectors. Let's help our boys out and catch the bugs in a pincer. Du coup, on a plus le maraudeur et on a perdu une unité. Pas cool ça. Alors, sécuriser les points d'entrée, celui-là est plus proche, donc on va s'en occuper en premier.
En fait, toi, tu t'es pas soigné, toi. Un homme, ça peut changer la donne. Deux en plus, donc raison de plus. On va envoyer des squads anti-émeute. Prendre l'assaut à la hauteur. Ok, ici c'est un cul-de-sac. On prend ça. Vous en avant. Donc ça c'est de la cache de matériel militaire. En avant. On va capturer ce truc. Là c'est fermé, on va partir du principe que pour le moment... Ah non, ça s'ouvre. Alors, on va rechoper une escouade entière maintenant. Un truc chimique. Là du coup, on peut poser soit du M7 Cyclone, soit du cage. Plutôt ça. On sortira un petit cyclone dès qu'on pourra. Ça coûte 2, hein, ouais. Ça suffit 2, je pense. Donc la suite. Ici un portail. Ok, là ils se battent. Il faut qu'on les rejoigne. Et pour les rejoindre, on n'a pas 2000 endroits à passer. C'est par là. Alors attendez un peu, laissez passer les squads anti-émeute, vous. Il va falloir qu'on neutralise cette galerie qui est reliée à cette ruche, qui est reliée à un tunnel fermé et un tunnel pas fermé. Très bien. Alors on peut pas passer là, donc on va être obligé de gérer cette galerie quoi qu'il arrive. Donc en avant. Ils vont tanker, hein. Pas de soucis, ça m'inquiète pas. On a un très bon angle de tir. Je vois un peu, vous. Voilà, on va pouvoir descendre. Ah, il y a un éclateur. Putain. Courir. Ah, puis il y a un scorpion. Le drame, quoi. On va activer ça. Il faut qu'on leur grenade la tronche. Voilà, c'est bon. Très bien joué. Venez là, vous. Donc cette galerie est gérée, on va pouvoir avancer. On va essayer d'aller sécuriser les cocos là, avant de neutraliser la ruche. Vous capturez-moi ça. Ici, on avance, là, on avance, là, on avance. Ici également. Allez, go. On est déjà au contact. Tankez un peu, vous. Ici, il y a un terminal de radio. Excellent. Mec, ils prennent des dégâts là-dedans. C'est pas évident. Passez-vous par là, vous. Ça évitera d'attirer trop ceux qui sont là également. Ok, tankez un peu, vous. Là, non, c'est bon, ils sont morts. Les squads anti-émeute, elle va grimper. Non, elle peut pas la bouger tant qu'elle est... elle devient temporairement immobile, c'est ça. Allez. On monte. On va jeter un œil par là, si on peut capturer ça. Le problème, c'est que ça va être... On va envoyer les petits piou-piou là, s'occuper de ça. Voilà, vous pouvez vous guérir ici. Juste à côté du tunnel, pas de stress. Là, on capture ça. Et après, on va à l'entrée. Hop là, du coup, ici, on peut faire venir un petit cyclone, deux petits cyclones, ça me va.
un appareil photo ici. Ah oui, une caméra. Alors, c'est pas vraiment sécurisé parce qu'ici ça va partir en sucette. Hein. Dans pas longtemps. Ici ils ont déjà repris deux trucs, on va éliminer ça rapidement. Envoyer un petit peu de monde pour s'occuper de cette zone là. Ah ici on est élite alors. On va prendre ce truc là. Ici. Ah putain, l'enfoiré qui nous attaque là. Progressez les gars. Qu'est-ce que vous foutez? C'est un petit peu compliqué d'avoir suffisamment de troupes pour tout là. Ah merde, qu'est-ce qu'ils foutent? Demi-tour, on recule. Faites de la merde, alerte à la merde. On va gérer ça déjà. On n'a rien pour réparer pour le moment. Et là, c'est pas dit non plus qu'ils puissent gérer un assaut tout seul. On va leur mettre un peu de renfort. Certes endommagé, mais efficace. Et donc dès qu'on a terminé ces galeries là, ah putain la vache, direct la saloperie quoi. Pareil ici là, le truc qui sort, alors qu'on est trop loin pour l'allumer. Go, ici du coup, on soigne, là, on soigne. Là faut avancer les gars. Il est mort, parfait. Donc ici c'est vidé, ok, tout le monde en position, on va avancer sur la suite. Rapidos. Ah putain, il y a un scorpion direct là. Glissez-vous devant vous. Grenadez-moi ça, parfait. Vous là-haut, vous ici. Toi tu vas monter sur ce petit truc. L'escouade anti-émeute devant. Vous au cul. Voilà. Là, on va péter des fesses là. Alors on a qui envoyé dedans? Ces deux là. Ouais, on a un niveau de puissance qui a monté là malheureusement. On va envoyer les cyclones et une unité chimique s'en occuper. Ah, ils arrivent. Ils viennent vers nous, ok, très bien. Ils viennent vers nous, c'est parfait, j'ai envie de dire. Ils viennent protéger leur ruruche. C'est un peu... Ah putain, l'autre il est capable de nous sniper à l'autre bout de la map. Sale bête. Ok. Ici. Alors eux ils ont l'élite, on va leur donner le petit drone. Faut aller faire tomber ça. Vous shootez-moi ça. Là on va avancer pour avoir plus de puissance de frappe sur cette ligne là. Et ça y est. Ok, cette ruche là est gérée. Elle est un petit peu relou, j'avoue. Alors, il va falloir qu'on trouve comment réparer tout ça. Des gardes royaux? On ne connaît pas cela. Puissante évolution du guerrier. Le garde royal tire son nom du fait qu'il est souvent chargé de protéger les colonies abritant un cerveau et une reine. Il s'enrage quand ses points de vie tombent à zéro. Ah si, c'est lui, je crois que je me souviens. Une fois enragé, ses points de vie sont rétablis une fois et sa vitesse de déplacement est réduite de façon permanente. Et il meurt si l'état de rage expire ou si ses points de vie retombent à zéro. Très très bien. Du coup, il va falloir qu'on aille se... Alors, il y a une attaque qui va arriver par là, malheureusement, on est
un petit peu endommagé. On va déployer les cyclones. Vous devant. Là, en position. À l'arrière, parce que vous tirez en cloche. Ah non, ils arrivent carrément dans ce tunnel. Ah merde, ils arrivent carrément dans le tunnel tout là-bas. Putain, j'avais pas du tout percuté. On est hyper mal placé le coup. Ah non, mais ils arrivent de tous les côtés. Ah bordel. Ils arrivent derrière nous. Et devant. Et à gauche. Et à droite. Et en face. Ici, on va leur mettre la compétence et ils devraient tanker, je pense. Et du coup, ils ont pas été jusque-là. Ça, c'est le bon plan déjà. On va les allumer. Eux, ils font le taf, hein, les squads anti-émeutes, avec leurs pompes, leurs lance-grenades et tout. Tout seuls, ils sont capables de gérer. On va leur ramener un peu de renfort gratos. Ok, par contre, s'il y a des attaques ici à tenir, ça va être relou. Hein. Ça va nous empêcher d'avancer. On peut faire venir personne. Hein. On peut faire venir personne. Ok. Bon, il y a nos drones qui sont endommagés. On va devoir faire avec. J'ai moyen de faire venir. Je pourrais faire une unité cage éventuellement qui répare. Ou alors il faut réussir à le monter au niveau max pour qu'il. Pour qu'il pop des unités qui vont bien. Alors on pourrait passer par ici. Ça me va bien. Allons-y, jetons un œil en haut. C'est clean. Avançons jusqu'ici. Hop. Ok, on va se faufiler par là. Alors la ruche. Il n'y a pas de ruche. Orange. Elle est plus loin en fait. Hop, on prend ça. Ok, c'est du petit scarabée à la con. Pas de problème. Déployez-vous les cyclones là. Vous, chopez-moi ça. Vous, j'ai dit chopez-moi ça. Alors ici, il y a un portail fermé qui va peut-être s'ouvrir. Là, un terminal de radio et du coup, c'est par ici qu'il faut y aller. Oh putain, ils sont en train de se faire submerger là, faut qu'on avance. Ok, on court, on avance jusqu'ici. Dans le petit tunnel là. Ouais, ils sont en galère là. Capturez-moi ça. Vite fait, on va pouvoir faire venir. Hop là. Une unité cage, une unité de lance-roquette. Hop, toi tu répares, les autres ils avancent. Toi tu vas avancer aussi, tu répareras après. Allez, on progresse là, faut aller les aider. Il y a une foutue ruche. Là, ils sont gérés, parfait. Alors du coup, une galerie par là, une galerie ici. C'est parti, déployez-vous, déployez-vous. Toi t'avances, toi tu répares. Ah putain, il y a des enfoirés là. Activez-moi ça, vous prenez le petit leurre. Excellent, ils sont capables de sniper les... Ah, les squads anti-émeute, il faut qu'elles tankent là. Ah, il y a des gardes royaux là. Putain, ils se sont défoncés nos mecs. En arrière. Ok, il va falloir que malheureusement on se replie. Et là. Mais on a vidé quand même. On a vidé cette zone. On rentre. On progresse par là. Toi, t'es en pleine forme. Vas-y, va bien par ici. Ça, c'est la ruche. Ok. Évite les attaques, toi, s'il te plaît. C'est parti. Il n'a pas le temps de tirer. Nickel. Les squads de police devant. Les squads de cage à répare. Le lance-roquette là. Les chimiques là. On va ramener eux ici pour tanker. Faut qu'on vide cette ruche.
comme vous voulez. Vous me terminez ça. Allez, là on est pas mal, je pense, niveau déploiement. Bon, le cage, il peut pas trop tirer, mais... on va avancer là. On recule. Lui, il a un sacré angle de merde, là. Putain. Tirez là-dessus. Vous avancez. Là, on avance. Vous voulez pas tirer sur lui, là? Eh merde, ici, je crois qu'on a perdu les... Non, ils sont ouf. Si, ok, ils sont morts. Ils sont morts, je ne sais pas trop comment, mais ils sont morts. Il n'y a vraiment pas moyen d'avoir un angle, là. Ah, putain. Encore un scorpion, là-bas. Avancez. Ah ouais, il y a une autre galerie, là-bas, quoi. Merde, on se fait en train de se faire déborder là. Faut reculer. Malheureusement, on se fait un petit peu déborder. Il nous faut du renfort. Alors, il nous faut une comme ça, deux comme ça, ce serait bien. Une comme ça, voilà. Bon, là c'est terminé. Là il reste un niveau 1. Là il reste un niveau. Eux, ils sont un petit peu dans le mal. Le problème, c'est les gros, hein. Genre, le scorpion, là, ça, c'est un problème. Recule-toi. Bouge, tu peux bouger. Vas-y, allume ça. Nos renforts, ils sont arrivés en avant. Ici, ils tiennent, les mecs, ils tiennent. Il y aura un truc à récupérer là-bas. Donc elle est encore à deux, la ruche, parce que on a du monde par là. On va envoyer eux aller titiller, éventuellement. Là, tu peux courir jusque là-bas, ça va passer normalement. Allez, tant qu'il est là... La bête là, le scorpion encore en vie là. Sérieux? Ah, plier. Deuxième scorpion. Allez, shoot-moi ça. Je vais retirer là. Merci, l'éclateur maintenant. Encore un scorpion. Ok, lui est mort, faut se replier. On va envoyer là du renfort. Ici c'est compliqué, toi faut que tu tires là. Ah bordel! On est en galère dans ces tunnels là. On va aller par là. Parce qu'ils sont en train de sortir du monde là-bas. Toi, tu viens ici, on ressort. Un drone non, je voudrais alors le cage pour réparer et un truc comme ça, voilà, hop, hop, enfin là on les attire, à la limite c'est pas si mal, putain le scorpion mal placé là, ok, shootez-moi ça, toi balance tes grenades là-dedans, toi t'actives ta comp, là les squads de police faut qu'ils fassent le taf, shootez-moi ça. Excellent, toi tu te places par là, là on va rechoper un niveau, donc on peut pas trop envoyer nos mecs. Je vais aller par là-bas, alors là la ruche va être vide, on va recevoir ça, on va le cyclone là-bas pour aider, toi tu te mets là, toi tu te prends, tu viens par ici, ouais parce que voilà, logique, ils allaient se prendre une saloperie, ça me surprend pas. Venez par là et allumez-moi ça. Oh putain. On se fait tellement prendre de partout quoi.
Ok, bon, c'est un petit peu destructeur, on va dire. Du coup, il nous faut vous, il nous faut vous. Allez là-bas, on va tenir avec ce qui nous reste. Eux, ils sont quasiment morts, mais si on fait tomber cette ruche, on est bien, là. Là, c'est pas rempli, là, c'est pas rempli. Du coup, ils reçoivent plus rien, hein, vu qu'on on est en train de gérer toute la ruche. Ok, parfait, c'est fait. On peut souffler 2 secondes, on va prendre ça. Parfait, voilà les ravageurs. Justement, c'était un peu simple. Ok, on capture ça. Ensuite, on va chercher les caches. Et oui, Chobiti a pas tort, je vais arrêter l'épisode là avant de continuer. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on a de quoi en faire encore un autre. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.